ce moment précis que la petite fille, elle comprend tout ce que son corps lui hurle depuis le début. La vieille est une ogresse. Elle veut la faire mariner pour mieux la cuisiner. Les ogresses sont toujours importantes dans les contes traditionnels, mais la Baba Yaga, en fait, il y a plusieurs histoires qui la concernent. On la retrouve beaucoup dans la mythologie russe, en fait. Mais justement, là, d'aller jouer avec les extrêmes de ce personnage-là, qui est à la fois hyper monstrueux, qui fait aboyer des chiens à travers son ventre et tout, et qui est à la fois hyper fragile, parce que les ogresses, elles sont pas très intelligentes, elles se font jouer des tours très, très facilement, donc elles perdent tout le temps, en fait, dans les histoires. Elle voit plus rien, la vieille. Elle a arrêté de limer ça dans la vieille, parce que elle a ses seins qui sont remontés à la surface de l'eau. Ce que j'aime vraiment dans mon métier de conteuse, c'est toute la liberté qu'on peut avoir, parce que je vais laisser les mots surgir, je vais les laisser habiter mon corps et tout à coup, ça devient vivant.